Just in case, while I'm getting one, someone comes. Just click right on that, and then when they stop. That will start. Yeah. Okay. And what's the time here? Like good question. That's like to save it. So like right now, for example, like that's just a preview of what you're gonna see. Normally, I don't click that until like the people are standing there. But yeah, just press record or someone comes. You're gonna have to. I'm gonna wait a minute. I'll wait till it's empty. Donc, on est avec la lettre A du cas de fiscalité. Messieurs, dames, est-ce que vous avez été surpris du cas auquel vous avez dû résoudre cet après-midi? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Non, ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait durant nos pratiques. Donc, les cas des années antérieures et des cas de l'OF antérieure. Fait que je dirais que j'étais pas vraiment surpris. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a déjà fait. Puis, en résolution, comment ça s'est passé? On veut un peu plus de détails. Êtes-vous stressé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vomi? Peu importe. Bien, c'est sûr qu'on était stressés par le temps quand ils viennent pour la clé USB et qu'on n'a pas terminé, mais ça s'est bien passé en général. Bien non, ça s'est bien passé. On a réussi à bien séparer les tâches. Puis c'est sûr que c'est stressant, mais je pense ça a bien été. Au niveau de la préparation, pouvez-vous nous dire comment vous faites pour vous préparer pour le jeu du commerce? C'est quoi vos facteurs clés de succès, votre potion magique pour en arriver là? Bien, c'est sûr que ça commence avec beaucoup, beaucoup de pratiques au niveau justement de cas pratiques, là, dans le sens qu'on faisait beaucoup, beaucoup des cas des années antérieures. Mais il ne faut pas oublier que notre cas fiscalité, c'est aussi un cas qui est très technique. On a beaucoup, beaucoup étudié la théorie. Ça a été vraiment les deux éléments clés de notre réussite, dans le fond. Puis au niveau de l'expérience des Jeux du commerce, est-ce que c'était tous votre première expérience, votre dernière? Puis pourquoi les gens devraient faire les Jeux du commerce selon vous? Pour ma part, ça a été ma première expérience, probablement ma dernière. C'est une expérience super enrichissante. Je trouve que ça développe des compétences transversales, puis ça vaut vraiment la peine d'y participer. Je dirais que c'est un grand défi personnel, là, surtout pour ma part, de vraiment investir du temps là-dedans, puis faire ça, faire un pitch, là, c'est pas toujours évident au début. Bien, c'est ma première expérience également, puis je la conseillerais. Première expérience aussi, probablement la dernière, vu qu'on termine l'école prochainement. Puis, super belle expérience, c'est stressant, mais je pense que c'est un bon stress, puis on va être fiers de nous après. Soit bonne chance et rien de moins qu'un podium. Merci à vous.